Grosse dédicace aux nouveaux abonnés. J'ai vu la team Nasdas, vous avez mal un petit peu, hein. C'était venu dans mon snap. Ouais, t'es jaloux. T'es jaloux parce qu'ils nous donnent des sous. Ouais, vous avez pas de prestance, pas de dignité, pas de charisme, aucun talent, aucun dynamisme. Vous êtes des malades ou quoi? Et vous croyez qu'on n'allait pas en parler? Bien sûr qu'on va en parler. Bien sûr qu'on va en parler. Parce que nous, l'avantage à vous, la Team Moon, c'est que nous, on n'est pas des prostituées, on n'est pas des escortes. Nous, on ne dit pas, ah bah comme il y a 1 800 000 ou comme il y a 2 millions de vues, bah c'est bon, tu peux me jeter des billets. On s'en bat les couilles, hein, frère, que t'as 2 millions de vues ou là, même 20 millions de vues, tu me jettes pas des sous, moi. Je suis pas un club, je suis pas un chien. Chacun son business, il y en a qui font du haram et d'autres qui font des snaps. Frère, faut pas me dire chacun son business ou pas chacun son business ou ceci ou cela. Là, on est dans les réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux. Maintenant, ton business à toi, ça, c'est encore autre chose. Viens pas mélanger ton business à toi ou je sais pas quoi avec nous. Nous, c'est les réseaux. Donc, on parle des réseaux. Il fait ce que font pas les services publics là-bas. Non, frérot. Toi, tu le vois d'un œil comme ça. Moi, je regarde leurs parents derrière. Je regarde sa manière de faire. S'il veut aider, il y a des associations. Fais une association. Vas-y. Dites-lui bien. Dites-lui bien. S'il veut vraiment, si vraiment son but, son cœur, c'est d'aider, qu'il fait une association. Et ça, ça va lui déranger. Parce que lui, il veut du donnant-donnant. Je t'humilie et je te donne. Je filme ton père. N'oubliez pas le daron, là. Peut-être c'est un daron, l'Agdar. Je sais même pas. Est-ce qu'il y a des enfants, l'Agdar, là, le daron, là, qui filmait, là? Peut-être ses enfants, les enfants à l'école. Ils foutent de sa gueule à l'école. Ouais, ton père, t'as vu le reste. Il est parti faire un bisou à l'autre clochard et tout. Pour un billet de 50 euros. Mais je vais vous dire un truc, hein. Nasdas, il ferait que 50 000 vues ou 100 000 vues, vous l'aurez tous incendié. Vous aurez tous dit c'est pas normal. Mais votre problème, c'est que vous sucez les vues. Quand vous avez entendu 1 800 000, oh non, il y a raison, c'est trois beaux gars. Wallah, il y aurait que 20 000 vues. Ou la 30 000 vues, vous l'aurez insulté. Vous aurez dit, ah, c'est pas normal, il se prend pour qui a filmé le daron. Vous l'aurez cherché à Perpignan, vous l'aurez chiffonné. Mais là, quand vous avez vu 1 800 000, vous êtes tous dans la l'ahsa. Vous dites, ah, j'espère que quand je vais le rencontrer, il va me faire faire aussi un truc et il va me jeter de l'argent, je vais sauter dessus. Vous êtes comme ça. Si vous n'êtes pas comme ça, ils viennent d'où ces 1 800 000 vues? Ils viennent d'où? J'ai envie de savoir. Il les a pas inventés ces 1 800 000 vues. Donc c'est vous. C'est vous. Et ça, faut l'avouer. Vous êtes tous là sur son snap en train de rigoler avec et tout, si, cela. Et lui, comme il voit que vous rigolez, bah, il recommence le lendemain. Et encore pire, et encore pire, et encore pire. Mais en vérité, il n'y a pas que lui qui n'a pas les codes. Vous aussi. Tu veux pas lui donner 50 euros, tu es obligé de lui donner en filmant. Tu payes ton contenu. Tu es prêt à les humilier. Et comme eux, ils ont besoin d'argent, ils sont prêts à s'humilier. Eux-mêmes, ils sont prêts à s'humilier. Ils sont là. Il fait le bisou, Mskine, alors qu'il y a honte. Tu imagines pas sa famille, le mec a 50 ans. Ses neveux, ses nièces, tout. C'est pas parce que lui, Mskine, c'est peut-être un toxico ou quoi, que ses neveux, c'est des toxicos. Hein. Peut-être ses neveux, il y a un neveu ingénieur, peut-être son frère, c'est un prof, peut-être. Et puis il voit son frère comme ça en train de s'humilier pour un billet. À cause de qui? À cause de toi. Une meuf avec un mec de la cité. Il lui dit quoi? La meuf, elle voulait que Nasdas la partage. Elle lui dit, ouais, si tu... Il lui dit comme ça. Si tu flirtes avec lui, je te partage. La meuf inconnue au bataillon. Qu'est-ce qu'il a fait Nasdas? Qu'est-ce qu'elle a fait la meuf? Tellement elle voulait avoir des vues, être connue. Elle a fait quoi? Elle est partie embrasser un mec. Qu'elle n'a pas envie d'embrasser, elle l'a embrassé, elle fermait les yeux, elle l'a embrassé. Tout ça pour être partagé. Maintenant, la meuf, alhamdoulilah, elle est contente. Elle est en tendance. Vous imaginez qu'est-ce qu'il ne faut pas maintenant pour avoir des vues? Ils sont prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. Tu veux quoi? Que je perde ma dignité? Il n'y a pas de souci. J'embrasse qui? N'importe lequel. Lui, il n'y a pas de souci. La dernière fois, il se filme, il est en voiture. Il fait monter un gamin à lui avec une meuf. Et il les filme en train de quoi? La meuf, elle fait une simulation qu'elle est en train de lui tailler une pipe. Et il filme comme ça. T'as 1 800 000 personnes, t'as des darons, t'as des daronnes, t'as des gamins. C'est quoi en fait? C'est quoi comme éducation que tu donnes aux petits? Eh, n'oublie pas que les petits nous suivent. Tu leur donnes quoi comme éducation? L'achouma total. L'achouma total. Wallah, tu leur fais enlever leur charisme et leur dignité et leur prestance. T'as pas honte? Ça te fait rien? Et vous, maintenant je vais parler à vous, les gens de son quartier. Vous avez pas honte, vous? Toi, la miss, pour être connue, t'es prête à faire n'importe quoi à ce point-là? À ce point-là? Et le petit que t'es en train de nous filmer, en train de fumer des joints H24, c'est pourquoi? Dire au petit, ouais, vous pouvez fumer des joints comme lui, c'est un grand crack.
On en a un décor comme chez vous là. Nawal qui me dit il a un concept, c'est tout. T'appelles ça un concept? Toi, tu dois être le genre de meuf qui est prête à enlever son string pour avoir 600 vues. Mais oh, chômage. Tu dois être une vraie casseuse toi aussi. Va à Perpignan. Il y a du travail pour toi. Il va t'en faire faire des trucs, t'inquiète pas. Il va te faire flirter avec des rhes, il va te faire faire des trucs, juste il te filme, t'inquiète pas. Parce que maintenant, pour vous dire si Nasdas vraiment y aider les gens, parce que vous appelez ça aider, j'aurais fait une association sans les filmer, sans les humilier. C'est ça aider les gens. Mounir, il t'aurait donné 100 euros, t'aurais réagi. Il me donne 100 euros, il me filme, je mets une patate devant la caméra. Devant la caméra, je lui mets une patate. Je me bagarre avec devant la caméra. Comme ça, tu comprends. Zahmé va me jeter un billet de 100, puis je vais courir, je vais sauter devant 1 800 000 personnes. Oh merci, merci, je vais sauter dessus. Au moment où il jette le billet, coup de pied retourné dans sa tête. Devant la caméra, c'est moi qui jette des billets, espèce de peine. Mais t'es un malade. Moi, en tout cas, j'étais obligé de vous en parler. Ouais. Vous croyez que j'allais lui dire quoi? Tu peux me donner 50 euros? Pardonnez-moi si j'ai fait du mal à qui que ce soit. Ou si j'ai dit une chose mal à qui que ce soit et je vous ai fait mal dans votre cœur. Pardonnez-moi. J'ai juste voulu passer un message. Des fois, je suis maladroit. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, vos parents. Salam alaikum. Et prenez soin de vous.